Est-ce que le pic Ashmin était vraiment prévisible, genre Flash Fantôme? Est-ce que vous voyez ça souvent dans vos solo queue? Moi personnellement non. Du coup j'ai pas pensé à prendre la clean, j'ai pris un exhaust. Moi je partais dans l'idée que j'étais contre Echo et qu'il y aurait une Fiora top. Enfin bon, c'est pas très grave non plus. Si on fait attention, ça devrait bien se passer. Du coup ils ont quoi? Ils ont Fiora top, Alistar Lucian, Ashmin, qui sera un peu l'électron libre de cette game, genre je sais pas trop quoi penser. Et ils ont Echo jungle, ok. Honnêtement, notre composition est 1000 fois plus solide que la leur, mais vraiment, genre à des kilomètres. Après, juste ce qui me fait un peu peur, c'est que Olaf Fiora top, c'est un skill match-up. Et ça peut partir dans les deux sens. Et ça snowball très vite en fait. Et donc, si la Fiora est vraiment meilleure que notre Olaf, ça peut très vite partir en cacahuète. Parce que Fiora, c'est compliqué à gérer quand c'est feed. Donc, j'ai petite crainte à ce niveau-là, mais sinon, pour le reste. Caitlyn Lulu, normalement, au botlane, ça devrait se passer sans souci. Rek'Sai, on verra ce qu'il fait. Les runes pour Lee Sin. Maintenant, les gens avec Lee Sin, ils jouent avec Attack Speed en rouge. Ils jouent Attack Speed en rouge, AD en quintessence, MR en bleu, Armure en jaune. Et en gros, ça te permet de kill la jungle très très rapidement, parce que tu fais le start machette. Et tu perds pas tant que ça en termes de pression. Donc voilà. Du coup, j'ai beau réfléchir, je sais vraiment pas comment je vais vouloir jouer cette lane H Karma, genre. Déjà que ça doit pas être, je dois pas avoir beaucoup beaucoup de games de Karma mid, mais alors contre H, c'est très limité. Après, en vrai, si. Que ce soit si Olaf ou Caitlyn ou enfin se retrouve feed, un des deux, on a instantanément win en fait. Genre avec Karma Lulu, que ce soit Caitlyn ou Olaf, si un des deux se feed, ils vont être monstrueux. Ils vont être trop durs à arrêter. Du coup, à voir. Hop, on va push. Pris un vieux Q-spell. Ouais, j'ai vu le message de Goto, mais. Pleine phase de lane, c'est un peu complexe. Oh, sérieux? À travers les creeps? Bon, dommage. Hop! Y'a qui j'entends Kenny gueuler comme un connard derrière, what the fuck? Comment voulez-vous que je lane contre ça, moi? Est-ce que c'est seulement possible? Oh! Non! On aurait raté un last hit. Sais pas ce que fait H. Mais elle le fait. Je sais pas, ils volent peut-être notre bleu. I don't know, man. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est partie. Bon, elle est revenue. Mec, genre. The fuck? Bon, pour l'instant, les last hits, c'est. Ça va. Bon, au moment où je dis ça, j'en rate un. Dommage. Elle est morte. Nice! J'ai même pas eu à flash. Si jamais le salon était trop, j'étais prêt à follow up avec mon flash pour assurer la chaîne. Mais nice, très très bon gank ça. En plus, pas de chance pour la hache parce que tu sais, elle a envoyé son pigeon pour essayer de scout. Et en fait, c'est passé tout juste devant Rek'Sai et donc elle est partie mettre sa trinket. Attends, qui m'attend, qui m'attend, qui m'attend? S'il m'attend, on fait un kill à 100% sur la Fiora. Bon, en fait, Olaf est en train de la soulever, du coup, il a raison de pas attendre. Oh, j'arrive! Non, mais! Ah, du coup, je suis pas bien. Wait for me! Mon dieu! Fait chier! Non seulement il m'a caisse le double buff avec sa vieille auto de mort alors que j'ai flash pour essayer de l'avoir, et du coup, avec le double buff, j'aurais tué Sphira à 100%, mais en plus, il m'a pas attendu.
Il m'a pas attendu, il est pas venu vers moi, genre rien du tout. Je suis full déçu là. Mec, c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, on a une Fiora qui a récupéré 2 kills, qui a un double buff, sur un match-up où je vous l'avais dit, et archi snowbally. Et moi, j'ai utilisé mes deux summoners, genre. Mec, c'est tellement triste! Genre, ils avaient rien d'effort à faire en fait, ils avaient juste à soit m'attendre, soit venir vers moi en fait, mais ils ont rien fait, ils ont juste voulu se laisser mourir, je suis déçu de ouf. Je suis trop déçu, putain. Là, c'était le move qui nous gagnait la game en fait. On venait de tuer Ashe, Ashe avait plus de summoner, on arrivait top, on faisait 2 kills, on avait peut-être un mec qui crevait, Wasef, tu vois, c'était bien. Mais non, mais non, il fallait que ça se passe mal, c'est les solo queues qui se passent trop bien, genre, c'est surfait. Plutôt les AOE. On va tranquillement freeze ça. Ah, Schmidt, ça marche? Je sais pas, mec. Comme j'ai dit, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, donc on verra bien. Ok, elle est morte. Non mais laisse-moi des kills s'il te plaît. Bah quoi après, après tu me diras il a rush Tiamat. Donc on a en fait, vas-y prends les kills. Parce que là t'es parti sur un build mec. En fait prends les kills parce que là t'es parti sur un build, si tu ne fites pas ça va être complexe. Donc vas-y prends les kills. Attends-moi. Fais pas deux fois la même erreur, je t'en supplie. Vas-y, go. Ok, nice. Est-ce qu'on est sûr de... Ouais, voilà. J'ai craqué une potion en mode... Ok, on est parti là-dessus. Mais en fait, non, ça va. Il a su calmer ses ardes. Bon, le speed buff. Ash est déjà partie, elle sait qu'on décale. Oh, what? Est-ce que je peux la slow? Elle est slow. Le snare. Elle est re-slow. Mais la fantôme, on la chopera jamais. Elle est déjà trop loin. Fais voir, botlane, ils en sont au niveau PV. Eh, on peut. Ça se fait, ça se fait, ça se fait. La zone, on la prend pas. Le shield, ouais. Par contre, ouais, avec son build, il est squishy de ouf quoi. Non, c'est bien son build, il fait les bons dégâts, mais il tank vraiment zéro quoi. Tu vois, là, typiquement, c'est une Rek'Sai Cinderhulk au lieu de Tiamat Rush. Je pense qu'on tue les 4 parce que du coup, en fait, ils peuvent pas le tomber, il est trop tanky, et pourtant, on leur fait trop de dégâts. Parce que c'est que des carry. On peut la dive, là. Elle fait trop la maligne à rester avec ses 2 PV. Oh, regardez ça, quoi. Tellement de la provocation. Non! Hero creep qui se met devant. T'as un peu chauffé ta Rek'Sai. Après, c'est vrai que je l'ai un peu forcé, tu vois. Parce que pour moi, c'était vraiment, ils avaient pas de mana, ils avaient pas de PV. Pour moi, c'était vraiment gratuit là pour le coup. Mais bon, apparemment pas. Après, c'est pas tous les jours que je joue avec des Rek'Sai et Rush Tiamat, tu vois. Pas te mentir. Excellent.
Elle fait trop la maline cette hache là, avec son pic H-mid face à Karmaraxai. Hop, nickel. Bon, par contre, le souci c'est que je vous parlais du fait que si Caitlyn ou Olaf et son feed, on se retrouve archi bien dans la game. Problématique, ni l'un ni l'autre ne s'en feed. Par contre, Rek'Sai est monstrueux. Donc, est-ce que Rek'Sai va pouvoir hard carry? On verra. En vrai, il en a le potentiel. Surtout s'il part Hydra-Titanesque et Cinarulk, il y a grave moyen. Mais en vrai, je sais pas, je trouve le rush Tiamat sur Rek'Sai, j'aime pas du tout en fait. Genre, je trouve que c'est vraiment pas le champion qui a besoin du Tiamat, tu vois. Alors, je suis un champion genre Rengar où t'es très mono-cible, t'es assez AD base et tout, je peux comprendre. Mais je pense pas que Rek'Sai soit adapté en fait. Je pense qu'il y a tellement mieux à faire. Pourquoi il reste au top? Fuis! Pourquoi on défend pas ça? Bon, hommage. Je suis pas sûr de ce que ma team essaye de produire. C'est très bizarre. Mais ça sert à rien de me ping en fait. Genre, c'est. Tu fais nimp, bro. C'est à moi. Oh là, MS quoi. Ok, flash out. Je sais pas ce qu'il veut, pas ce qu'il veut avec Rek'Sai, mais genre commence pas à me flame. Bon, tu fais des trucs très douteux, je pense que t'es mal placé pour me flame. Vas-y, je peux décaler. Genre, en plus, c'est dommage parce qu'il joue très bien en fait. She didn't have air. Dans ce cas-là, il faut me le dire, bro. Moi, je peux pas le savoir en fait. Domingo, non, les potes. Oh non. Marnaquez pas là-dessus. Marnaquez pas. Vous voulez juste flash qui spell la hache. Bon, non, là c'est un film d'horreur ce qui est en train de se passer en top lane. Bon, on va farm beaucoup là en fait, genre. Là on abandonne la mission essayer de roam et tout, là on est en mode il faut qu'on devienne monstrueux là. T'as quand même flash dans le mur. Oh bah du coup si dès que tu flash dans le mur c'est une Domingo, bon. Ça perd de son fun. Pour moi une Domingo c'est tu casses le mur et alors que tu voulais t'escape, tu vois. On va push la suivante.
Mec, genre cauchemar. De toute façon, je vous l'avais dit, genre la matchup Fiora-Olaf, ça peut tellement partir en vrille des deux côtés, c'est très skill dépendant. Et bon, là, bon, ça n'a pas grand chose à voir avec le skill, quoi. C'est juste, bah, on a fait une rotation top et les mecs ont été impatients et c'est parti en vrille alors que ça aurait pas dû. Du coup, c'est un peu unlucky, tu vois. Tu peux pas vraiment blame le Olaf pour ça, tu vois. C'est en mode, bon, bah. Genre, le Fiora s'est retrouvé avec un kill, une assist, un double buff. Qu'est-ce que tu veux faire, man? Et en plus, la pre-made, apparemment, Rek'Sai et Olaf sont en pre-made et les mecs sont en mode full FF, tu vois, genre. Olaf est en full tilt, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, il est en 0-5, mais. Genre, la game est tellement facilement gagnable en fait, si il ne donne pas 1 milliard de kills à Fiora. Enfin bon. C'est la vie, boys. Oui, mais non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on défende? Ils sont 5, casse-toi! Tu veux quoi? Casse-toi! C'est pas défendable, va-t'en! Mange tes morts, va-t'en, oust! Tu arrêtes, hein? Ton duo Q, ton partenaire du duo Q, c'est la merde! Commence pas à t'y mettre! On va le mute, il me casse les couilles, le mec a pas de cerveau, genre. Hein. Il était mignon quand il parlait pas trop, mais genre. Là, il se met un petit peu trop parler, c'est un peu relou. La bande, genre, ouais. Genre. Maintenant qu'ils ont l'avantage et que j'ai pas trop d'infos sur les mecs en face. Allez, Olaf! Je crois en tes capacités. Ok, j'y crois plus du tout, mec. Nice, on a eu H. Il faut qu'on traverse, absolument. Oh non, elle m'a flash. Ouais, je suis 100% mort. I try my best, man! Mais bon, on est un peu. On a des teammates qui sont un peu limités en termes de capacité là dans ce game. Bon, après la bonne nouvelle c'est qu'on se rapproche de plus en plus du Morello. Et ça c'est cool. En vrai, quand on aura 40% de CDR, on sera très très toxique. Qui reprend après toi? Ça sera à 2h du mat et ça sera IKB qui reprendra par la nocturne. Il fallait ult W, non, ça m'aurait pas sauvé. Ça aurait été en gros, j'avais besoin de créer de la distance avec la Fiora en fait. Quoique, après le route, ah, peut-être que j'aurais dû RW, il y a moyen. En fait, la question c'est est-ce que le W. Oh! Nice! Mec, cette livraison qui m'a fait. Genre, est-ce que ça aurait créé plus de distance que le slow, je sais pas. Allez, dites-moi qu'on le tue, je vous en supplie. Allez, cours! Ok, on court plus. Oh! Oh, on est tellement dans la merde! Tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court. Ouh, le petit exhaust qui carry. Oh, pff. Oh, il a son ultimate lui. On a rien vu. On a rien vu encore. Les auto-attaques, c'est plus fiable. Tâchons d'oublier ça rapidement. À l'attaque. Nice. Arrêtez de vous foutre de moi! Je vous vois dans le chat, faites pas les malins.
J'avoue, c'était dégueu. J'ai un peu honte de moi. Attaque tunnel. Ok, nice. On a notre Morello. Ça met bien de ouf. Hop. Let's go, let's go, let's go. Pourquoi c'est bugué comme ça? Oh, the water. Bon, Fiora c'est un monstre. Lucian est très chiant. Les autres sont un peu inutiles, on va pas se mentir. Ouf. Ok, on fait pas de cadeaux aussi en termes de dégâts. Non. Go 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 go, défonce-le! Allez, go go go! Allez, allez, nice! Vas-y, maintenant on y va! Allez! J'aimerais que Rek'Sai porte ses couilles et aille à la bataille de temps en temps. Genre on a quand même Karma Lulu, tu vois. Oh putain quoi, genre vous vous rendez compte quand même ce qu'on doit faire? Oh, nice Q. Oh putain, ils se font sous les bottes, terrible. Compliqué cette game. Compliqué, compliqué. Allez, heal-toi vite, heal-toi vite. Bon, elle est sortie. Ok, nice. Oh. Oh, Alistar le frérot. Ok. Le truc c'est que moi je peux pas dépush ça, voilà. Il faut Caitlyn là en charge, il dépush. Voilà, quand je vous dis que Karma c'est un champion de mort, j'invente rien quoi. C'est vraiment un champion de mort. Alors faut aussi, faut qu'on fasse gaffe quoi, ils ont deux. Ils ont double Adekari et le Nash ils le font tellement vite. Ah, s'il peut m'aider à faire ce bleu, ce serait cool. Pas que j'ai pas vraiment besoin d'aide pour le faire, mais c'est juste histoire d'être safe. Ok, nice. Oh. Oh, je pense qu'on aurait pu leur courir dessus, tap. C'est pas grave. Ok, quoi, il tente une bulle. Oh, what? Alors, voir. Ah, malheureusement, là, je peux pas y faire grand chose. Après, ils ont tué le monstre en bot lane. Ashe a l'air morte. Ça va. Et par contre, je suis pas sûr de ce qu'ils ont utilisé. Genre, j'étais préoccupé à essayer de survivre. Je crois qu'il y en a un en face. Il y a un chez eux qui a flash, mais je suis pas sûr duquel. Mais je suis même pas sûr en vrai. Bref. Vas-y, on va vendre ça, prendre une baguette de puissance. Après le monstre Fiora, ils ont encore 10 secondes avant que le monstre respawn.
Par contre, genre, elle a sûrement sa TP, donc va falloir. Il va falloir fuir pour vos vies. Oh mec, ça va être terrible, je sens que ça va être terrible. Oh là là, non. Oh, on a une Nashor. Ok, GG ça. Bon, je suis 1 contre. Je suis 1 contre 4 du coup. il va la push bot, je vais essayer de dépush ça vite. Ouais, du coup il push mid. Ouais, prendre la prise de mid, je peux rien y faire. Bon, touche pas de chase. Ok, ça arrive sur ma tête. Oh mec, j'ai shield un creep! Non, la lose! Allez, prenez votre slow, vous. Et toi, tu cours. Allez, cours plus vite! Ok, moins 2. Allez, cours encore. Prochain shield, c'est Mantra. Allez, tout le monde court. Elle a été slow. Pas de chase. Allez! Allez l'équipe putain! La game la plus dure du monde, holy shit! Oh what? Ok. C'est cru un peu trop beau lui. Oh nice, on a un dragon de feu en plus, GG. Ça c'est un bon début de comeback. Ça c'est un très très bon début de comeback. Quelqu'un pour farm top? Aïe. Nice, on a le Rabadon en plus. Allez l'équipe, allez l'équipe, allez l'équipe. T'as un mec, par contre, c'est pas comme dans les films. Moi, quand je joue contre une Karma, le Q a pas de CD quand elle a 40% de CD. Hein. Moi, j'ai l'impression de devoir attendre quand j'utilise mes spells. Là, on peut go? Allô? Allô? Regardez ce qu'elle fait, mec. Genre, ça, on sait que sa team était. Oh là là. On laisse passer ça, c'est triste. Ok, go. Ouais, sauf que du coup, elle est. Évidemment, ça fait un quart d'heure qu'elle est partie. C'est pas. Soyons patients, soyons patients. Ne nous précipitons pas. Caitlyn a du stuff maintenant, Caitlyn fait mal. Bon, l'œuf est toujours relativement inutile, mais. Caitlyn fait mal. Concentrons-nous là-dessus. Ok, encore une arrow dans le vide. Oh, ok, nice. On tue le monstre. On a tué le monstre. Cours, 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 cours. Allez, mange tes morts, toi. Yes, baby! Let's go! Et en plus, il a flash. On prend des tourbottes. Oh. Oh non. Commencez pas à vous faire soulever par écho, s'il vous plaît. Allez, les creeps, dépêchez-vous là. On a des tours à push. Et on va pas trop traîner dans le coin, Fiora peut TP et tout. Donc on va pas faire le beau. Est-ce qu'on a notre void staff? Pas encore, il nous manque 200 gold. Ok, je fais les loups et je peux l'avoir.
en profiter, on va dépêcher mid. Allez, dites-moi qui meurt. Oh non, il court trop vite. Dommage. Mettre ça là. On reste vigilant si jamais. Il y a une arrow qui part. Promets qu'on met des bons dégâts quand même. Ouais, il court vite. Ok, la flash out. Vas-y, je sais pas si vous avez vu de manière générale, mais le Rek'Sai il joue très bien autour de la parade de Fiora en fait. A chaque fois, elle attend. Tu sais, il se met melee range de Fiora et il attend qu'il utilise sa parade en panique pour. Derrière la bump en fait, pour assurer le truc. Plutôt bien joué de sa part. Putain, mec, il y avait tellement entendu. Le pire, c'est qu'on a clairement comeback, mais on peut toujours lose sur un move de merde, tu vois. Donc faut rester focus à 100%, tu vois. Le Olaf est toujours un kilomètre derrière, tu vois, il est niveau 14. Oh, ça c'est un bon catch. Ok, elle est morte. Nickel. Oh mais attends, il est tout seul. Moi je peux rien faire là-dessus par contre. Après genre... Oh! Oh dommage. Ah pas de chance la TP de Fiora. Ah TP de Fiora ça nous a mis vraiment mal. Allez tapez tapez tapez. Non? Ok. Après oui, je préfère qu'il la joue comme ça tu vois. Je préfère qu'il la joue safe. En mode on risque pas. Plutôt que l'inverse. Qu'est-ce que je pile moi? Il me faudrait plus d'AP. Je sais pas. Non, Riley ça me paraît pas ouf. Echo de Luden ? Echo de Luden, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire, oui. Ok, ça va. Au moins sur. Oh oh. Ils le font, ils le font, ils le font. J'allais dire, au moins ça va sur notre move, ils font pas le Nash, mais. Ok, ils ont décidé d'aller faire le Nash. Attends, vite, faut qu'on se dépêche. Il en est où? Il en est où? 7000? Ok, ça va, on a le temps encore. Elle va prendre le snare. Tu es Fiora, tu es Fiora. Tu es moi cette merde. Nice. Ok, go, 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 go. On peut finir la game là-dessus. Je viens de one shot Echo. Allô? J'ai flash Q spell Echo, ça l'a 100%. Il a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette merde de champion? Mec, j'en ai... What the fuck? Holy shit, est-ce que vous vous rendez compte? Il était 100% PV. Je l'ai one shot. On peut forcer la tour, je pense. Ok, nice. Petite tour top. On va vendre ça pour une grosse baguette. Ok, nice. Alistar il se suicide apparemment. Oh, nice. Ça a cassé ses mobilités. Go, go, go. Allez, tout le monde court vite maintenant. Regardez ça, regardez ça, elle est morte, elle est 100% morte. Ok, nickel. Allez, faut qu'on avance, nous. Go go.
Ok. Non, faut qu'on fasse attention à ce écho. Hein. Le écho est full AP donc faut pas déconner. Ok, Fiora ne finit pas la... Ah si, elle finit la game. Ok, je vais aller défendre, je vais aller défendre. Elle a pas de mana en fait. Il y a un truc, c'est que je peux prendre une arrow dash. Après ça va, elle a plus de flash, c'est déjà bien. Après elle a pris une tour Nexus. C'est my bad, j'ai trop hésité en mode est-ce qu'on chase ou est-ce qu'on chase pas. Est-ce que j'ai touché? Non, pas touché. Ah, so hard man. Là je raquette juste 500 gold pour les élixirs et après j'ai plus besoin de farm. Non, fait chier, pas de blue buff. Oh dommage, je pense qu'on aurait pu tenter le trap là. Ce qu'essaye de faire Caitlyn, on aurait pu le tenter franchement. Oh mec, Olaf est tellement... Oh, il est tellement late en stuff, Olaf, c'est insane. Ok, je vais aller prendre mon élixir. Et on est prêt à fight avec le bon full stuff. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bon, fuck. Je viens sûrement de jeter la game là-dessus. Je viens 100% de jeter la game là-dessus. Sur la dernière frame, putain. On a 100% de jeter. Qu'est-ce que je suis con! A l'aide, putain, qu'est-ce que je suis con! C'est sauté. Putain, j'ai soulevé cette équipe toute la game et je finis comme ça. Oh, connard! Comment c'est possible? Comment c'est possible d'être aussi con? Putain, je les avais carry toute la game! J'ai quand même un S. C'est terrible. Me neither. Moi non plus. Et j'avais mon flash et j'avais tout. Ah. Oh. On peut dire que c'est le karma. Merci à toi pour cette blague.